suis à vous. 20 pianos sont actuellement en libre accès à travers la ville de Genève. Ces instruments en plein air font le bonheur des musiciens amateurs comme des passants. Vous pouvez vous en donner à cœur joie jusqu'au 1er juillet. Cécile Mendoza et Joël Boissard. Vous étudiez la musique, vous le faites par plaisir. Ça veut dire que c'est un moment important pour la personne qui joue et c'est sympa pour la personne qui écoute aussi. En plus, on est à plein air comme ça, ici. C'est génial. Comme à Londres, Sydney, New York et Anvers, le concept né en 2008 s'est rapidement essaimé d'un continent à l'autre. À Genève, c'est la deuxième année consécutive qu'une vingtaine de pianos d'occasion fait vivre la musique de rue. Ça intéresse tout le monde, les gens d'ici, les gens d'ailleurs, les jeunes et les vieux, les hommes et les femmes, je veux dire, les artistes confirmés et les autres. Et l'année passée, on avait vu par exemple des jeunes banquiers se mettre à jouer avec des Roms, des musiciens Roms de rue. Ils se sont mis à jouer ensemble dans une impro et tout le monde s'est mis à applaudir. Donc ça, c'est le côté absolument magique de cette opération. Les pianos sont fermés durant la nuit, sauf trois d'entre eux, éloignés de toute habitation. Pour les organisateurs, le plus étonnant, c'est la bienveillance des gens à l'égard des instruments. Aucune déprédation, même pas un tag. On a même une anecdote amusante, on a des étudiants de l'école d'art qui ont voulu décorer un piano et qui ont été arrêtés par les passants, qui leur ont dit non, touchez pas au piano, ne l'abîmez pas. Et en fait, ils voulaient simplement décorer alors qu'on avait donné l'autorisation, mais ils ont abandonné. Et donc je crois que les pianos sont vraiment sous la responsabilité et la protection du public. J'avais joué une fois à la place du marché à Carouge. Il y avait une petite dame qui était venue, qui avait aussi joué à côté, puis on avait discuté un peu musique et tout. Je trouve ça assez sympathique, ça rapproche beaucoup les gens, le piano. J'ai une petite liste, j'ai commencé à aller sur tous les pianos. Je pense pas à finir aujourd'hui, mais bon, bientôt. Financé par un budget participatif sur Internet, les pianos sont à disposition de chacun jusqu'au 1er juillet. Et merci d'avoir été avec nous.